Mathieu, je suis éducateur à la piscine de Concarneau et on voulait vous présenter cette année une nouvelle activité, c'est le swim cross. Alors le swim cross, c'est l'activité crossfit. On va travailler en alternance dans l'eau et hors de l'eau, en mélangeant du travail lié au crossfit, du travail de renforcement musculaire, de cardio, et puis on mélangera ces activités hors de l'eau avec des passages dans l'eau en fractionné, en nage rapide sur des courtes distances. Ça sollicite vraiment beaucoup le système cardiaque. La problématique de l'eau, c'est de gérer la respiration, donc vous travaillez aussi beaucoup votre volume respiratoire, surtout quand on fera des petites surprises, on travaillera aussi en apnée. L'intelligence du crossfit, c'est de travailler un peu sur la fonctionnalité du corps humain, donc de travailler vraiment sur la souplesse, l'agilité, l'équilibre. Donc c'est vraiment complet. Voilà. Ouvert aux hommes et aux femmes. Une particularité aussi, contrairement au crossfit, c'est que nous, on ne mettra pas de charge. Souvent, il y a beaucoup de blessures en crossfit liées à la musculation. Ce sera vraiment de la tonicité et du renforcement du corps. Ce qui est intéressant avec l'eau aussi, comme je disais, c'est que le système respiratoire et aussi le travail dans l'étirement du muscle. Donc, ouais, donc c'est idéal pour éviter les blessures. Merci.